Salut, je fais cette vidéo en fait juste pour rapidement inspirer quelqu'un. Tu as des choses dans ta vie que tu attends d'autres personnes et tu as sûrement échoué. Il y a des choses que tu as faites qui n'ont pas marché. Maintenant, ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu es le propre Dieu de ta vie. Ok? Ce que tu as vu de toi, ce que tu as actuellement, c'est ce que tu as vu de toi. Tu peux te recréer chaque jour, tu peux te renouveler chaque jour. Tu peux décider aujourd'hui que, voilà, je change de look, je change tout de moi. Personne ne peut t'en empêcher. Donc, vous avez laissé des limitations sur votre vie à cause de votre prédisposition, selon votre entourage, votre père, votre mère, là où vous avez grandi. Donc, je veux aujourd'hui que tu comprennes que tu es le Dieu de ta vie. Jésus disait toujours qu'il en soit fait selon ta foi. According to your faith, let it be done to you. Donc, c'est ta foi qui va te porter. Donc, je te mets au challenge aujourd'hui. Et si tu multiplies ton loyer par 7, si au lieu de payer 500 euros de loyer, tu te retrouves dans une maison où tu payes 5000 euros de loyer, ou encore tu achètes une maison en un an, au lieu de l'acheter en 25 ans, tout ce que vous avez dans votre vie aujourd'hui, c'est vous-même qui avez accepté. Voilà. Donc, laissez-moi en commentaire, vous me dites ce que vous avez accepté dans votre vie. Et depuis que vous m'écoutez, qu'est-ce que vous avez changé dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez modifié? Et dites-vous toujours que la voiture que vous conduisez, c'est vous qui avez mis la limite sur cette voiture. La maison où vous vivez, c'est vous. Le mari que vous avez. Et enlevez la culpabilité qu'on vous met souvent en disant « Ouais, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. » Écoutez, mes désirs il y a 5 ans. Et mes désirs aujourd'hui, ils ont changé. Donc, si toi, tu ne veux pas avancer avec mes désirs, ah, je suis désolé. Donc, ne vous sentez pas coupable si vous vouliez avancer et que les gens avec qui vous étiez, tante, oncle, employé, employeur, mari, femme, si ces personnes ne voulaient pas avancer et que vous avez décidé d'avancer, ne vous sentez pas mal. Parce que vous avez évolué. Maintenant, vous les libérez juste, vous les laissez là où ils sont, s'ils veulent rester là-bas.